Hey, c'est Xenet et aujourd'hui on se retrouve sur Breath of Fire 3 pour la deuxième partie du manoir de... Du bois, je crois, c'est... Ouais, c'est du bois. Enfin, bref. C'est parti. Alors là, il y a le mec qui glandait et qui a voulu qu'on aille tuer un chien. Ha. Saleté. Et là, il y a un garde, bah je vais pas aller lui parler. Oh putain, il y a un deuxième garde, mais il y a plein de gardes. Je dois faire quoi? Là, il y a un mec et une meuf. Ok. Salut les mecs. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah, mais j'arrive pas à bouger. Je suis bloqué. Ah non. Mina? Veux-tu bien venir avec moi? Bah, si t'arrêtes de bégayer, ouais, je veux bien. Et elle, elle dit, hé, ne fais pas ça. Oh, attendez, derrière, il y a un mec. J'arrive pas derrière un mec. Je vous jure, il y a un crâne derrière. Vas-y, on va aller le voir. Hey! Oh ouais, il y a carrément un mec quoi. Attends, que fait Mina de l'autre côté? J'aimerais vérifier qu'elle va bien. Ok, et du coup je fais quoi? Là il y a un garde avec sa torche, je veux pas trop aller le voir lui. Ah, on fait quoi? Ah non, là il y a un... Ah là! Non, il y a un garde, par là. Mais faut faire quoi? Oh, un corps. Je ne comprends pas! Vous trouvez pétard, on peut pas aller là-dedans? Là, la petite truc à droite. Non? Non? Mais allez, dites-moi que c'est possible. Eh, si on arrive à y rentrer. Donc là, ça se mouchasse, hein. Bon, bah, y a pas d'autre choix que de lui parler, je crois. Je me demande ce que peut bien faire Mina. Quoi? Tu dis que Mina est ici, avec un autre? C'est horrible! Quoi? Ah mais du coup on peut rentrer. Ouais. What? C'est un poulailler. Oh. Un poulailler. Qu'est-ce que tu fais? Si on ne peut pas entrer dans la maison à cause des gardiens, pourquoi ne pas voler quelques œufs et rentrer à la maison? Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi devrait-on se fixer de si petits objectifs, typo? Bah je sais pas, moi j'aime bien les œufs. Wouah, Ray. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? What? What the fuck? Mec! Je devrais peut-être le remettre, Ray. Bah ouais, là ouais. Bon, je vous laisse avec le combat. Mais après les dialogues. Je ne crois pas que ça lui plaira. Salut. Thank you.
Et voilà. J'ai réussi à prendre sauter, déjà c'est pas mal ça. Et ensuite j'ai utilisé cellule œuf sur Typo et ça l'a enfermé dans un œuf. C'était vraiment très bizarre. Enfin bref, je suis content, j'ai appris la technique sauter. Sauter. Cette technique elle fait des dégâts aléatoires je crois. Et ça nous permet d'aller plus vite. Voilà. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Est-ce poule? Je sais pas. Fermez la porte! Que chacun rattrape une poule! Rocky fait encore des siennes. Mince, ça marche encore mieux qu'on l'avait espéré. Bon, maintenant, on devrait pouvoir entrer plus facilement dans la maison. Exact. Ah! Non, mais le gardien, on peut passer. On fait... Ah ouais, il y a une poule là? Ouais, une poule. Attends, je vais aller voir. Là, j'ai envie d'aller voir la poule. On peut lui donner un coup à la poule ou pas? Je sais pas. Ah ouais, on peut. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà. C'était la petite éclate du jour. Rigolez, s'il vous plaît, c'était une super blague. Mais du coup, on peut pas passer. On peut pas passer au-dessus. What? Mais on peut passer où? Eh, hey, ça a ouvert quoi, Molu? Mais what the fuck? Faut que je retourne par là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah là, il y a des escaliers. Je crois que c'est là. C'est là ou pas? Yes! C'est là! Ah, je me suis niqué les mains! J'examine la situation. Ils surveillent tous la porte. On laisse tomber. Non. Mais Ray, l'œil est à peine captable, quoi. On va rentrer par la force. Force? Tu veux dire qu'on va se battre contre les gardiens? Non, je vais les occuper. Pendant qu'ils me courront après, vous vous faufilerez. Tous les deux à l'intérieur, je monterai sur le toit. Et je vous y retrouverai, ok? Oh, mauvaise idée. Mais non, mais Ray, mais du coup, on se retrouve plus qu'à deux. Oh, man. Pas d'inquiétude. Tout se passera bien. Ray court très vite. C'est parti, Zalit. Ok, je te suis. Non, chaud. Personne n'entre ici. What the fuck? C'était quoi son saut? What the... What? Mais ça fait trop flipper, mec. Hello, safe state, Moulou. Putain. Je le sens pas du tout. What the fuck? Comment tu veux qu'on se batte comme ça? Je te le dis, ça va pas le faire. Bah, en fait, ils nous feront pas beaucoup de PV. Ce qui est très bien. Oh non, là, j'en fais plein. Mais ils sont méga résistants. Mais comment tu veux qu'on se batte comme ça, mec? Non. Mais non. Mais c'est trop mal parti. Sauter, tu te fous de moi? Oh, ça va, ça a pas marché.
Oh yes! Non! Mais punaise! Qui a de la chance comme moi, sérieux? Et voilà. Moi, 9 PV! Allez! Plus qu'un PV! On aime bien te foutre sur la gueule. Putain. Mais man! Non, attaque pas! Guéris-toi. Oh! Oh, je te jure, il m'aurait tué. Punaise. Attendez, c'est moi ou Tipo à récupérer ses PC? J'ai pas rêvé, hein, Moulou. Hey, Moulou, j'ai pas rêvé. Je te jure, il a récupéré ses PC. Putain, je crois qu'on a récupéré nos PV, nos PC, en fait. Ah, cool. Bon, bref, on continue. Voilà. Mais what? Qu'est-ce qui se passe encore? Personne n'est autorisé à pénétrer dans... l'ancienne maison des Dubois. C'est quoi ça, fantôme? Qu'est-ce que ça signifie? Qui est là? Montrez-vous. C'est un fantôme. C'est un des descendants de Dubois. C'est moi, Thorast, le fantôme du cinquième Dubois. Devrait-on te craindre? Hé, hey, on a tué nu. On n'a pas peur de toi. Hé, hey, bande d'imbéciles. Vous pensez que tous les Dubois sont comme cet animal? Vous aurez le temps de réfléchir à vos erreurs une fois mort. Ah, un combat, c'est parti, putain. Bon bah, je vous laisse, hein, salut. On a gagné! Wouh! Ah, en fait, il nous reste plein d'XP. Oh merde! Yes! Qui êtes-vous? Pardonnez-moi, mes frères, si je vous ai déçu. What the fuck? Y a des fantômes ici? Est-ce que c'était un fantôme? J'espère que non. Je hais les fantômes. Je frémis à leur vue. Ah, t'as bien frémi, hein. Tu l'as même buté, tellement t'as frémi. Bon, je sais pas s'il faut utiliser les escaliers, bien sûr. Pff, j'ai parti par où? Eh, Moulou, t'es pas où? Je vais te faire manger du banania. Pardon. Des gardes? D'où y'a des gardes? Mais c'est hanté du cul, ici! Putain, ils comprennent pas! On va se faire démonter. De moi, mais je leur fais aucun dégât. Non mais man,
Attends, comment on fait? Ouais, c'est ça. Mais non! Ouais, c'est ça, venge-toi. Moi, je m'en fous. Au prochain tour, je fais que de l'attaque. Hein. Ouais! Yes! Oh, cool. Bon, là, on le tue. Hein. Quoi? Quoi? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi, mec? Bah, en fait, ça change rien vu que je t'ai donné deux coups et là, je te les ai redonnés, donc ça servait à faire ça. Garde, défense, genre. Bah, ça aurait rien à piocher, on va te tuer quand même. Punaise, mais il est dur à tuer. Il me saoule. Voilà, fou. Punaise, une vraie grande victoire. Tu fous de moi, c'était juste un garde. Y a-t-il quelque chose ici? Trouvé singulier. Cool! Oh! Ouais, c'est qui? Dubois. Non, c'est Dubois. Oh, il est fat! Bienvenue, mes petits amis. Attendez. Je suis Dubois, le propriétaire du domaine. Tu te fous de moi, c'est Dubois? Donc, il n'y avait qu'un seul fantôme, quoi. Ah, vraiment? Ça rend les choses plus faciles. Attrape-moi cette crapule. Pourquoi tu te moques? Crapule? Moi? Pourquoi serais-je une crapule? Simplement parce que je recouvre les impôts de mon peuple. Qu'y a-t-il de mal à ça? Question? Que se passe-t-il, l'exarite? Quoi? C'est un escroc? Bah ça je sais, c'est un escroc, ils volent les trucs. Escroc? Moi? Non, je m'appelle Dubois. Oui, on sait. Cassane Dubois, le fantôme du troisième Dubois. Eh ouais, bah en fait c'est un fantôme. Tu te fous de moi? Mais y a combien de fantômes? Vous avez cru que vous pouviez tout simplement prendre ce sur quoi on a veillé pendant des générations? Bah ouais. On est là pour ça en fait. Donc, Typo. Oh punaise, j'ai oublié de me guérir. Bon, tant pis. Typo t'attaque et toi, comme d'hab, tu fais sauter. Allez, je vais essayer avec le combat. What? Tu te fous de moi, il était super simple. Ah, oh, ça me déçoit. Non, là, franchement, je suis déçu. Oh, incroyable, vous m'avez battu. Mais je ne suis pas le dernier. Vous n'avez pas fini d'entendre parler des Dubois. Eh merde. Il s'était barré où? Personne ne nous a dit que c'était hanté ici. Exalt. Comment ça se fait que tu sois si pleurnichard et que tu n'aies pas peur des fantômes? Kikette. Bah là, on continue. On va dire. Voilà. Oh, les skills. What? Encore un combat? Fais chier. Non, hé, désolé, mais là, je fuis, hein. Punaise! Je suis actuellement dans la merde. Ah non, ça va, s'ils attaquent que... S'ils font que attaquer, je suis pas dans la merde. Ça va. Ah ouais, du coup, on peut voir les PV, c'est vrai. Ah, ça se fait. Ouais, mais ça ne sert à rien en fait, vu qu'on on veut fuir. Yes! Oh! Punaise, si ça aurait pas marché là. Pff. Allez. Tu n'iras pas plus loin.
Ah si, désolé, j'ai appuyé. Encore un fantôme. Tu mérites de la reconnaissance d'avoir été si loin, mais... Les fantômes sont très bavards ici, hein. Tu n'iras pas plus loin. Moi, Galtel, le 12e du bois, j'y verrai. Ta vie de malfrat est terminée. Tu sais, j'ai toujours cru que les fantômes étaient très effrayants. Allez, combat. Alors, j'ai pas compris pourquoi mes sautés ne marchaient jamais. Pourquoi à chaque fois ça faisait 1 PV ou 0 PV. C'est nul, hein. Mais voilà. Mais s'ils ressemblent tous à ceux d'ici, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Bah ouais. Ouais. Bon, bah voilà, gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que là, quand même, ça fait 24 minutes qu'on tourne. Ça fait beaucoup, mine de rien. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like. Et commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!